from one European dynasty to another. And the most successful team in UEFA Women's Champions League history, 8 times winners, Olympique Lyonnais. Intrinsically linked to their success across her 17 years with the club, Sonia Bonpastor. The 43-year-old is preparing for her 5th final, her 2nd as coach, to go alongside her 3 as a player. J'ai connu beaucoup de bonnes choses, des titres surtout. Le championnat de France, la Ligue des champions, les Coupes de France aussi. Et du coup, à travers ces victoires, il y a une confiance mutuelle qui s'est installée. Je suis quelqu'un aussi qui ne compte pas. Quand j'aime, je donne et je m'investis. Donc voilà, cette relation, elle a été donnant-donnant avec beaucoup de positifs et en tout cas, d'un côté et de l'autre, beaucoup de succès. Donc c'est des bonnes choses. Bonpastor's side are unbeaten in Europe this season, and 16 members of her squad have already experienced a UWCL final. L'expérience dans un groupe à ce niveau de la compétition, c'est primordial. En fait, ça sert à beaucoup de niveaux, mais surtout sur l'aspect mental, dans la gestion des émotions. Et pour ça, quand on a eu cette expérience de disputer plusieurs campagnes européennes, mais aussi plusieurs finales, bah forcément, ça nous aide. Ça nous aide à aborder ce genre de rendez-vous avec plus de sérénité, plus de confiance. Le point culminant pour le moment, ça reste voilà, cette qualification pour la finale. Yet it has been one of Lyon's summer signings who has been the catalyst for their success this season. The UWCL's top scorer, Kadidiatou Diagne. Pour nous, c'est l'accomplissement de tout un travail qui a été mis en place depuis le début de saison. Sonia Bonpastor, ça se ressent énormément. On le voit vraiment que c'est une compétitrice. Elle a vraiment pas envie de perdre aucun match. Et vraiment, ça se ressent et elle nous le transmet, cette envie de tout gagner. Elle est très douée techniquement. C'est une joueuse aussi qui est très précise devant le but. Elle est capable de faire des passes décisives, elle est capable aussi de faire marquer ses partenaires, de marquer elle-même. Donc par rapport à ça, voilà, c'est une vraie arme offensive qu'on a dans l'effectif. Barcelona await them in Bilbao on the 25th of May. Lyon will be hoping for a repeat of the 2022 final when they were crowned champions ahead of the Spanish club. On sait que tous les adversaires ont aussi envie de faire chuter l'Olympique Lyonnais, donc ultra motivés. Une nouvelle histoire à écrire et un match encore complètement différent de ce qu'il a pu se passer il y a 2 ans.